Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouveau test de matériel. Je vous présente aujourd'hui une guitare assez exceptionnelle. C'est une guitare fabriquée par le luthier Jean-Yves Velquier, le luthier français bien connu, dont je suis particulièrement fan du design. Il a vraiment un coup de patte qui est bien à lui au niveau du dessin. Ça, c'est sa forme fastback. C'est une sorte de forme un peu en 8, une guitare qui est relativement compacte, qui a la particularité d'être hollow body, comme vous pouvez sans doute le voir ici à l'écran. Donc il y a des ouïes. En fait, c'est deux moitiés de guitare qui sont collées l'une à l'autre, avec une magnifique table en érable pommelé. Voilà, donc deux humbuckers. Au niveau électronique, c'est assez simple. Donc deux micros humbuckers, un sélecteur 3 positions, volume, tone, terminé. Bonjour madame. Voilà, un accès aux aigus excellent puisqu'on n'a pas d'échancrure comme ça. Ici, le corps, il est un petit peu sculpté, ce qui fait qu'on a un accès très très agréable. Ici, la sculpture, on la retrouve à nouveau ici pour pas que le médiator gêne. Enfin, il y a plein de trouvailles qui sont vraiment bien 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 pensées. La tête 3x3 avec ce design bien particulier de Jean-Yves. On aime, on n'aime pas. Moi, je fais partie des gens qui aiment. Voilà, le dos est tout en contraste de sobriété par rapport à la face avant qui est plutôt flashy. Et voilà, une petite plaque aimantée que j'essaie de vous enlever, que je vais y arriver ou pas. Voilà, qui permet d'accéder à l'électronique qui est hyper clean. Voilà, et hop, je remets la petite plaque aimantée. Toc, et voilà, tour de magie. Très beau manche en érable ondé. Une tête bicolore aussi sur l'arrière. Franchement, une très belle guitare. Je remercie au passage François, qui est un abonné de longue date de la chaîne guitare et qui m'a confié ce magnifique instrument. Vous le faire entendre, je suis branché sur le canal clean du BD Custom Amplification que vous apercevez ici à l'écran. Et la prise de son est assurée par la Universal Audio Aux-Box que vous apercevez au-dessus. Et je vais probablement par-ci par-là essayer de pimenter un petit peu le son avec les pédales que vous voyez aussi à l'écran. C'est parti.